Bonjour Loïc, merci d'être présent ce soir avec moi sur mon stream. Donc, je te remercie de prendre un peu de ton temps pour pouvoir échanger sur la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Avant de commencer, je te propose éventuellement que tu puisses te présenter rapidement. Quel est ton métier avant d'être député? Quelles sont tes passions? Voilà, une petite réponse rapide. Et puis aussi, d'où tu es député? Je pense que c'est un beau département aussi. Oui, un département que tu connais bien, Denis, des Alpes-Maritimes. Donc moi, je suis député d'un morceau des Alpes-Maritimes. Il y a Grasse, Vence et d'autres communes. Ça va même dans les stations de ski. Moi, j'ai une formation de vétérinaire. J'ai 54 ans, j'ai 3 enfants. Et voilà, j'ai été vétérinaire et ensuite j'ai travaillé dans différentes entreprises. J'ai été maire de la ville de Vence, dans les Alpes-Maritimes, et député depuis 3 ans et demi maintenant. D'accord. Et très intéressé, évidemment, depuis de tout temps, et même quand j'étais maire sur les questions qui concernent les animaux et la protection animale. D'accord. Moi, j'avais entendu parler de toi bien avant qu'on se rencontre par rapport à un Vincent qui est un vétérinaire sur Chouet, là où je suis élu député, et il me racontait qu'il avait fait l'école avec toi, et comme quoi le monde est petit. Ben oui, des vétérinaires, il y en a à peu près 20 000 en France. Ils sont à peu près répartis à peu près de façon équivalente dans tout le territoire français. Et effectivement, je me rappelle bien de Vincent. C'était quelqu'un qui était à l'école vétérinaire à Maison Alfort avec moi, oui. Super. Donc, ce que je te propose et ce que je propose aux personnes qui nous regardent, bien entendu, c'est de poser des questions sur le chat. Et puis, ben, moi, je me permettrai de te les poser par rapport à cette proposition de loi dont je viens de parler. Et pour commencer, voilà, moi, je voulais déjà avoir un peu ton opinion parce que, donc, on parle d'une proposition de loi et non pas d'un PJL, c'est-à-dire d'un projet de loi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte qui n'a pas été proposé par les ministres, mais qui a été construit par les députés. Et j'imagine que toi, tu as construit le texte avec d'autres députés et que tu as travaillé avec, j'imagine, avec des gens que tu as rencontrés. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, la construction de ce texte? Alors effectivement, une proposition de loi, c'est une proposition qui vient d'un. C'est un texte qui a été écrit par les députés. Les députés, pour écrire ce texte, ils ont leur propre expérience et puis aussi ils vont écouter ceux qui ont, sur certains sujets, plus d'expérience qu'eux. C'est extrêmement important. Donc on invite des gens à venir échanger pour parler de différents sujets. Et puis après, ben, on écrit, on gratte et ensuite on rédige et on finalise cette proposition de loi qui est proposée. Donc aux collègues députés pour venir en débat dans le grand amphithéâtre, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. D'accord. Et tu as vu quoi comme type d'association, de syndicat, d'entité? Tu as rencontré qui? Tous les syndicats qui peuvent exister, qui travaillent autour de l'animal de compagnie, ou de la faune sauvage, des associations de protection animale, l'association des parcs zoologiques, voilà, enfin, des particuliers, des gens qui sont des vétérinaires, des éthologues, des comportementalistes, des scientifiques qui font des recherches sur différents sujets, et pour à la fin bah, consolider une opinion basée sur des faits qu'on va échanger avec ces gens, et puis rédiger donc le texte. Donc c'est plusieurs mois de travail, j'imagine. Ah oui, c'est plusieurs mois de travail, oui. Oui, c'est un an de une année de boulot. Une année de boulot, ouais. D'accord. D'ailleurs, toi, tu l'as dit au début, donc tu es vétérinaire de formation, c'est vraiment ton ADN, certainement ta passion. J'imagine que la relation aux animaux, c'est quelque chose qui te touche au quotidien. Et d'ailleurs, dans ce texte, tu as porté plusieurs amendements, et il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est celui qui vise à lever l'obligation du secret vétérinaire en cas de signalement de sévices Ouais. graves. Et en fait, en gros, c'est-à-dire que si un vétérinaire voit un animal qui va pas bien parce que son propriétaire s'en occupe mal, le vétérinaire maintenant peut en aviser les services compétents. Est-ce que tu peux un peu expliquer, présenter ton approche là-dessus? Ouais, c'est un aspect intéressant du truc. En fait, dans le code pénal, aujourd'hui, quand tu es une profession médicale, donc médecin, gynécologue, enfin ce que tu veux, médecin en tout cas, et que tu observes, que tu vois quelqu'un en consultation qui manifestement a été maltraité, tu as le droit de lever ton secret professionnel, parce que le secret professionnel, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de la déontologie d'une profession médicale. Hein, c'est dans le serment d'Hippocrate pour les médecins et dans le serment de Bourgelat pour les vétérinaires. Eh bien, tu as le droit, quand tu observes cet acte de maltraitance sur un être humain, quand tu es médecin, tu lèves ton secret professionnel. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, ce n'était pas une obligation pour les vétérinaires. Donc maintenant, avec cette proposition de loi dont on a parlé à l'instant,
le vétérinaire, s'il voit que manifestement, il y a un animal qui a été maltraité par son propriétaire, il a le droit de lever sur son code professionnel. Je parlais avec un vétérinaire récemment, il m'a dit, tu sais, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu, c'est un peu dur ce que je vais dire, hein, mais j'ai vu une femme arriver avec des lunettes de soleil, en plein hiver, et un chien qui manifestement avait été battu. Voilà. Et bien maintenant, il pourra lever sur son prêt professionnel. D'accord, c'est une belle avancée, hein. C'est une belle avancée. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de balayer rapidement quelques articles qui me semblent importants de ce projet de loi. Le premier point qui me semble d'ailleurs vraiment majeur, c'est l'article 1. Comme souvent, l'article 1 est un article qui quelque part définit de façon très précise vers où va le texte de loi. Et donc, en fait, l'article 1 place la création d'un certificat de connaissance pour sensibiliser en fait les personnes qui achètent les animaux à comment on doit d'ailleurs s'occuper des animaux de compagnie. D'ailleurs, pour éviter les abandons, je pense que l'une des principales raisons des abandons, c'est le fait que quand l'animal est petit, on le trouve mignon, mais quand il grandit, parfois on se rend compte qu'il est compliqué de s'en occuper. Je crois de mémoire qu'il y a 100 000 chiens et chats qui sont abandonnés chaque année. Et puis je pense aussi à d'autres animaux, par exemple aux tortues de Floride, qui ont été présentes il y a très longtemps sur le territoire national, c'est-à-dire que ce sont des tortues qui viennent des États-Unis. Les personnes, les offraient à leurs enfants, puis les tortues grandissent. Je crois qu'elles font 20 ou 25 cm une fois qu'elles sont à l'âge adulte, avec 3, 2 ou 3 kilos. Et comme c'est un peu grand, hop, on les lâche dans la nature. Une fois qu'elles sont dans la nature, elles détruisent les écosystèmes en allant manger des animaux et en ayant, ben, vraiment en bousculant l'écosystème. Donc, si tu pouvais nous en dire plus sur ce certificat, et ce que j'aimerais, si tu le souhaites, si tu peux, c'est de définir de façon très précise, pratico-pratique, comment ça se passe demain quand on aura un animal. Alors, tu l'as dit exactement, hein. Aujourd'hui, finalement, parfois on achète un chien ou un chat comme on achèterait un objet, voire un jouet, sans avoir la moindre connaissance de ce qu'est un animal, même parfois du temps qu'on va vivre avec lui. Un animal, ça peut vivre jusqu'à 15, 20 ans, parfois plus. Moi, j'ai eu des chats quand j'étais vétérinaire en consultation qui avaient 23 ans. Donc, c'est vraiment une grande partie de sa vie qu'on peut passer. Et parfois, eh bien, on achète un animal comme on achète un objet ou un jouet. On ne sait rien en fait de la biologie de l'animal. On ne sait pas, on sait même pas quel poids il va faire quand il sera adulte. On ne sait pas si il est adapté à notre propre mode de vie. Moi, je sais pas, j'habite dans un appartement à Paris, il n'est pas très grand. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un Saint-Bernard? Je sais pas. Alors, tu peux craquer sur le Saint-Bernard quand je le vois chez l'éleveur ou dans une animalerie, mais après, je me retrouve avec un Saint-Bernard de 85 kilos dans un appartement de 35 mètres carrés. Donc voilà, ça pose plein de problèmes. Je craque, il y a des modes aussi chez les animaux de compagnie, chez les chiens. Alors je vais craquer, il y a une époque, c'était la mode du chien de traîneau, le husky, par exemple, ou le samoyède, voilà, peu importe. Ben, on craquait pour ces chiens-là sans même se poser la question de se dire, est-ce que ce chien, il est vraiment bien adapté à une vie dans un appartement ou dans une maison sans jardin, avec uniquement une terrasse? Bien sûr que non. C'est des chiens qui ont besoin de se dépenser sur des dizaines ou des centaines de kilomètres tous les jours. Voilà, tout ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi ce que coûte un animal de compagnie. Le certificat de connaissance, si tu veux, il va permettre, avant d'acheter l'animal de compagnie, de se porter acquéreur, il va permettre de savoir, d'avoir un minimum de connaissances, le minimum de connaissances à avoir, d'en être absolument certain, et de signer un engagement sur le fait que les connaissances, je les ai bien, qu'elles sont en adéquation avec l'achat que je veux faire, avec mon propre mode de vie, avec mes propres moyens financiers. Faire vivre un Saint-Bernard, c'est plus coûteux que faire vivre un Chihuahua. Parce que c'est plus gros, un Saint-Bernard, beaucoup plus gros. Voilà, toutes ces connaissances très très précises qui vont faire que derrière, la cohabitation va bien se passer et qu'il n'y aura pas d'abandon. Tu as évoqué le chiffre de 100 000. C'est beaucoup plus que ça. Moi, tu sais, j'ai eu un rapport de une mission gouvernementale pendant 6 mois l'année dernière qui m'avait été confiée par le ministre. Moi, j'estime qu'il y a plutôt au moins 200 000 abandons tous les ans. 200 000. Voilà. Et il y a toute une partie, pas tous, mais il y a toute une partie de ces abandons qui pourraient être évités si avant d'acquérir l'animal, on avait un minimum de connaissances. C'est ça l'objectif du certificat de connaissance. D'accord. J'en profite, j'ai déjà une première question sur le chat. Les animaux font-ils partie du contrat social? Sinon, pourquoi ont-ils des droits? Les animaux ne font pas partie du contrat social. Enfin, en tout cas, c'est pas, il n'y a rien qui est écrit en la matière. Ils ont des droits. Mais est-ce que vous savez que leurs droits, ce sont essentiellement le droit des objets? Puisque le Code civil indique en 2015 que
Et, en 60, et, en, et le code rural en 1976 indique que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Et dans le code civil de 2015, on dit c'est un être vivant doué de sensibilité, mais en même temps, sous réserve des lois qu'il protège, l'animal il est soumis au régime des biens. Donc en fait, il ne fait pas partie du contrat social. Alors qu'en réalité, c'est vrai que c'est un animal, l'animal est souvent social. Il est d'ailleurs souvent médiateur. Et il est au cœur même des foyers quand on parle d'animal de compagnie. Puisque plus d'un foyer sur deux en France possède au moins un animal de compagnie. C'est un phénomène de société, un phénomène familial, un phénomène français. C'est vraiment un sujet social et politique, mais pourtant, c'est toujours considéré dans le droit comme un objet. C'est ça qui est assez étonnant. D'accord. Là, on a parlé de l'article 1 de la proposition de loi. L'article 4 a pas mal évolué et je crois que tu as été quelqu'un qui a poussé pour l'évolution de cet article 4 avec la fin des ventes d'animaux en animalerie à partir de 2024, donc qui a été voté dans l'hémicycle. Est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est-à-dire pourquoi tu as poussé à cette fin de vente dans les animaleries? Alors, d'abord, il faut savoir que d'autres pays l'ont fait avant nous. Les Anglais, par exemple, ont interdit la vente en animalerie en avril 2020. La Californie, l'État de New York, la Belgique, voilà. Et de plus en plus de pays font ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que les animaleries sont pour un certain nombre d'entre elles le siège de trafic, avec des animaux venant essentiellement d'Europe de l'Est. Sevrés très précocement, aux alentours de 4 semaines, faisant des transports en camion pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres, ce qui derrière va générer plein de problèmes et des abandons. Premier point. Deuxième point, je suis choqué, à titre personnel, et d'autres le sont aussi, de voir que ces êtres vivants doivent être sensibilisés, de sensibilité, pardon, soi-disant, puisque c'est le code civil qui le dit, sont mis derrière des vitrines en plexiglas ou en verre et vendus vraiment comme des objets. C'est-à-dire que tu arrives dans l'animalerie et tu as voilà, et le petit chien adorable. C'est même l'animalerie parfois un motif comment dirais-je, de promenade de week-end avec les parents et les enfants. Oh, il est super mignon, j'en voudrais un. Tu es parent, tu es avec tes enfants, tu as commis l'erreur d'aller dans une animalerie. Tu craques, tu dis pas non à ton enfant. Enfin, je veux dire, voilà, parce que toi aussi tu craques d'ailleurs. Et tu te retrouves effectivement avec un animal sur lequel tu sais pas grand-chose et sur lequel il faut dire aussi les choses comme elles sont. Les vendeurs dans les animaleries, ils ont des objectifs de vente. Voilà, c'est des vendeurs. Donc même s'ils aiment les animaux, à un moment, il faut qu'ils les vendent. Et derrière, pareil, cercle vicieux, inadéquation parfois entre l'animal et le propriétaire, problème de sevrage précoce de l'animal venant d'Europe de l'Est, avec derrière des problèmes de comportement qui peuvent générer un abandon, etc., etc. Et donc, j'ai proposé, ça a été voté dans l'hémicycle, qu'on arrête d'ici 3 ans pour leur donner le temps de se réorganiser la vente de chiots et de chatons. Elles pourront continuer ces animaleries à vendre ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire tu sais, les poissons, les petits oiseaux, voilà. Je suis pas non plus fanat, mais voilà, je pense que l'essentiel, le principal, c'est d'abord de s'attaquer aux chiots et aux chatons dans ces points de vente. Super. Il y avait un sujet, moi, qui m'avait choqué et pour lequel, d'ailleurs, cette proposition de loi avance. Je sais pas si tu te rappelles de cette affaire, c'était un petit chaton qui s'appelait Oscar en 2014 qui avait été filmé sur les réseaux sociaux et plus précisément sur Facebook. Une personne qui avait pris le chaton qui l'avait jeté en l'air vers un mur. Et donc, ça avait fait beaucoup de bruit. La SPA et plein d'autres associations avaient réagi à raison. Et en fait, la personne avait pris 1 an de prison parce qu'à l'époque, la limite, c'était donc 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Dans le cadre donc de la proposition de loi, là, maintenant, on passe plus à 2 ans, mais à 3 ans et plus à 30 000 euros, à 45 000 euros. Donc, on voit qu'on rend le système plus dur. Et en plus, et en même temps, on y rajoute plusieurs éléments, c'est-à-dire l'un des éléments, dans un premier temps, c'est la remise de pédagogie, c'est-à-dire que des personnes qui ont ce type d'action, c'est-à-dire des maltraitances animales, d'ailleurs, peuvent aussi avoir des stages à faire pour qu'on puisse essayer d'avoir de la pédagogie, donc de la répression, de la pédagogie, et même pour aller plus loin, pour l'article 10, la potentielle interdiction définitive d'avoir des animaux de compagnie. Je rappelle qu'avant, c'était maximum 5 ans sans animal de compagnie. Maintenant, c'est définitif. Donc là-dessus, vraiment, on met un arsenal beaucoup plus dur par rapport à la maltraitance, mais aussi avec de la pédagogie. Quelle est ta vision là-dessus? Moi, je la trouve très bien d'ailleurs, cette loi sur ce point-là.
Oui, ça rejoint, si tu veux, le certificat de connaissance. Donc là aussi, c'est de la pédagogie pour anticiper d'éventuels problèmes de maltraitance ou d'abandon. Et là, tu l'indiques également, il y a un volet qui est un volet répressif où on va vraiment augmenter les peines. Voilà. Parce que tu parlais de 3 ans et 45 000 euros d'amende, mais ça peut monter jusqu'à 5 ans et 75 000 euros d'amende si les actes de maltraitance ou de cruauté ont entraîné la mort de l'animal. Donc typiquement, celui que tu évoques, là, qui avait pris 1 an pour Oscar, aujourd'hui, il pourrait, si Oscar est mort, je crois que ce qui est le cas, il Non, il pourrait était prendre jusqu'à blessé 5. avec une patte Il était cassée. blessé? Ok, donc là, effectivement, ce serait 3 ans et 45 000. 3 ans et 45 000, au lieu de 2 ans et 30 000. Donc ça, c'est effectivement un renforcement des sanctions pénales. Et puis, c'est assorti, effectivement, d'un stage de sensibilisation à tous, qui est obligatoire pour ceux qui auront commis des maltraitances. Tu sais, il y a un point qui est très important à savoir, et ça, ce n'est pas une opinion, ce sont des faits qui l'indiquent. Il y a un lien entre les maltraitances faites aux animaux et les maltraitances faites aux humains. Tout à l'heure, je n'ai peut-être pas été très clair. Quand je t'ai expliqué la dame qui venait en plein hiver avec des lunettes de Si, si. soleil, un animal qui avait été maltraité, cette femme avait également été maltraitée. Elle cachait ses yeux par ses lunettes de soleil en plein hiver. Elle amenait ce chien à ce vétérinaire qui va lever son secret professionnel maintenant, il pourra le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un lien, on le sait parfaitement, entre je commence par taper le chien et puis après je vais taper l'enfant et la femme. Voilà. Et ça veut dire que la maltraitance animale est aussi un signal pour les juges. Et elle doit être regardée aussi sous ce prisme-là, en termes de prévention par rapport à des maltraitances qui ensuite pourraient être faites sur les êtres humains. Ce stage de sensibilisation, du coup, il est extrêmement important. On a également mis en place, tu l'as indiqué, pour bien sceller le fait que quelqu'un qui aura commis des actes de maltraitance ne puisse plus avoir un animal de compagnie, eh bien, un quelconque animal, un fichier national des interdits de détenir un animal. Parce qu'aujourd'hui, cette peine complémentaire qui n'était pas prononcée par le juge, vous ne pourrez plus avoir un animal de compagnie, il n'y avait pas de fichier. Donc le lendemain, le gars, parce qu'en général c'est des gars, c'est des hommes, ben, le lendemain il allait récupérer un autre animal pour aller lui taper dessus dans le refuge du coin. Voilà, donc ça ne sera plus possible, il y aura ce fichier également. Donc il y a deux volets, hein, tu as raison de le noter, c'est important, à la fois la pédagogie avec ce stage de sensibilisation et ce renforcement des sanctions pénales avec également ce fichier. Oui, c'est vraiment une vision globale en fait de l'accompagnement des animaux et même carrément, je dirais, un outil qui pourrait accompagner les familles dans lesquelles il y a de la violence. Tout à fait. Enfin, la PPL aborde aussi un sujet qui me semble extrêmement important, pour moi, qui vient de la ruralité, c'est les chats errants. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chats qui sont errants et qui, ne nous mentons pas, sont des prédateurs et donc font des carnages, je me permets d'utiliser ce terme-là, au niveau comment dire, de la biodiversité, c'est-à-dire qui rentrent dans les haies, qui tuent tous les oiseaux qui peuvent passer, tout ça. Donc, quand il y a suffisamment de chats, ça permet de pouvoir réguler le nombre de souris, de rats. Quand il y a trop de chats, ça a vraiment un impact négatif sur la biodiversité. Et donc, la PPL, la proposition de loi, vise aussi à permettre aux maires de faire des campagnes de stérilisation pour les chats. Est-ce que tu peux nous en dire? Oui, ben, tu as dit l'essentiel. Ces chats, effectivement, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect, tout à fait d'accord, atteinte de la biodiversité. Tu parles des souris et des rats, mais il faut aussi parler des oiseaux. Et d'ailleurs, une grande ONG, une grande association qui s'appelle la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, indique un peu gênée qu'effectivement, il y a un problème avec le chat. Et aujourd'hui, en tout cas avec le chat sauvage, qui est revenu à l'état sauvage, qui est ce qu'on appelle les chats errants. Et ces chats, si tu veux, ils se forment en îlots, en espèce de colonies, dans de nombreuses communes françaises. Et on estime il y a plusieurs millions de ces chats aujourd'hui errants en France. Et on estime qu'ils sont entre 8 et 11 millions. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui est extrêmement impressionnant. Et en plus, on a un animal avec le chat qui a une prolificité qui se reproduit extrêmement vite. Donc là, il y a un vrai problème. Et jusqu'à présent, les maires, on leur donnait la possibilité. On les incitait à stériliser ces chats, à les capturer et à les stériliser. Demain, avec la loi, si elle passe au Sénat, les maires vont être obligés de le faire. Il y a un problème, qui est un problème de biodiversité, tu l'as évoqué, à la fois qui est sur les petits mammifères, mais également sur les oiseaux. Et le chat, il ne fait pas la différence entre l'espèce d'oiseau qui est protégée et celle qui ne l'est pas. Hein. D'accord, c'est un oiseau, et voilà. Premièrement.
Deuxièmement, il y a un problème de santé publique, parce que ces chats, si tu veux, qui sont en état de malnutrition, sont aussi des chats qui sont porteurs de maladies, dont certaines sont transmissibles à l'homme. Ça pose des problèmes de sécurité, parce que souvent, ça crée des grosses tensions au sein des quartiers dans lesquels il y a ces îlots de chats, et notamment des tensions entre ceux qui viennent les nourrir et ceux qui habitent dans le quartier. Donc il y a un problème, il faut qu'on aille beaucoup plus loin sur sa résolution, et effectivement, dans la proposition de loi, on va dire au maire, ben, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez stériliser ces chats. Et il faut d'ailleurs à cet égard que l'État prenne toute sa part financièrement dans ces grandes campagnes de stérilisation qu'il va falloir entamer vite pour mettre un terme, si tu veux, à cette prolifération absolument terrible de ces chats qui sont en mauvais état de santé, qui vont mal, qui sont en état de mal-être et qui créent toute une série de problèmes autour d'eux. Okay. J'ai quelques questions sur le chat et d'ailleurs n'hésitez pas tous et toutes à poser vos questions. Première question, concrètement pour nous, les citoyens, cette loi, elle change quoi? Alors, elle va changer les lieux dans lesquels vous allez pouvoir acquérir un animal de compagnie. Avant ça, j'espère qu'elle va changer le regard de quelques citoyens qui veulent acquérir un animal de compagnie, le regard qu'ils ont sur cet animal, considérant que c'est un être vivant, qu'il faut y prendre soin et qu'on va partager longtemps sa vie avec lui, et qu'il faut que l'achat qui doit présider, enfin la réflexion qui doit présider à l'achat doit être une réflexion approfondie. Et donc, il y aura cette attestation de connaissance et d'engagement. Et il y aura également des lieux qui seront des lieux différents pour aller les acquérir. Donc, essentiellement, on va essayer de privilégier les éleveurs et on va essayer de privilégier les refuges de protection animale. Et puis, ça va également ben, changer les choses pour vous si par hasard, un jour, mais je n'y prends pas une seule seconde, vous vous montriez maltraitant vis-à-vis de cet animal que vous avez acquis, avec des sanctions qui sont singulièrement renforcées. Tu as dit ça va changer les lieux. Donc ça va être plutôt en 2024 lorsque les animaleries pourront plus vendre certains types d'animaux. Les personnes qui nous suivent, si en 2024 ils veulent acheter un chien ou un chat, ils devront aller où? C'est quoi l'endroit pour eux? Ils pourront toujours aller sur Internet. J'allais dire, c'est peut-être mon petit regret par rapport à ce qui a été voté. C'est-à-dire que je pense on aurait dû aller plus loin sur Internet. Voilà, mais c'est déjà un début, on a avancé. Donc, ils pourront aller sur Internet qui dorénavant sera réservé aux professionnels, aux éleveurs professionnels. Ils pourront aller chez un éleveur. Ils pourront aller également dans un refuge, et ça, je les y incite, de protection animale. Et ils sont nombreux en France, il y en a pratiquement 1 000 hein, en France, ces refuges de protection animale. Et puis, eh ben, ils pourront toujours, c'est évident, acquérir un animal parce que le voisin ou la voisine, ou parce que la maman ou le papa qui vient à la sortie de l'école, bah, a lui-même un chat qui a une portée et qui voilà, ou un chiot qui a une portée, un chien qui a une portée, et pourra effectivement les donner comme ça. Évidemment, ça sera toujours possible. C'est vrai que enfin, moi je parle pour moi, je pense qu'on est beaucoup de cas comme ça en France. Les chats que j'ai à chaque fois, c'est les chats du voisin qui a une portée et qui essaye de distribuer. Et puis bon, on récupère, on le castre et puis voilà, on le garde jusqu'à sa fin de vie. Puis voilà, c'est la rotation. J'ai pas mal de questions là. D'ailleurs, je dis bonjour, bonsoir à Myric. Comment on peut refuser un animal à quelqu'un qui est interdit? Si on lui donne un animal, est-ce que le vétérinaire peut lui refuser? Donc en gros, il y a des personnes qui peuvent être interdites par rapport à la loi. Il n'empêche qu'il n'y a pas non plus tout le temps un gendarme, un policier derrière eux. Comment on peut s'assurer qu'ils ne récupèrent pas d'animaux? Alors, de façon générale, c'est une excellente question et qui est valable pour de nombreux sujets qui concernent la condition animale, mais également plein d'autres sujets. C'est le problème des contrôles. Pas vu, pas pris. Voilà. On peut raconter n'importe quoi sur sa déclaration d'impôt. Si personne vous contrôle, ben, vous avez raconté n'importe quoi et vous avez gagné de l'argent. Ça sera malheureusement toujours pareil avec les animaux de compagnie. Simplement là, tout résidera. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent que tout résidera dans la façon avec laquelle le décret sera rédigé. C'est-à-dire que les députés comme Denis ou moi, nous, on doit donner des grandes orientations, des visions, des objectifs à atteindre. Et ensuite, ce sont les décrets donc, qui sont rédigés par les ministères qui vont définir de façon très concrète les modalités avec lesquelles l'objectif va être atteint.
Et là-dessus, voilà, ce décret, il sera évidemment important pour voir de quelle façon est-ce qu'on tout sera mis en place. Mais enfin, tous les animaux aujourd'hui doivent être tracés, entre guillemets, je parle des chiens et des chats, avec une puce. J'imagine que le vétérinaire, du moins c'est la question que je pose, est-ce que le vétérinaire a la liste des personnes qui sont autorisées ou pas à avoir un animal pour, lorsqu'il y a une demande de vaccination ou de traçage, Ouais. remonter l'information? Je suis désolé, je n'ai pas été assez précis dans ma réponse. Il existe un fichier national d'identification. Tous les chiens et tous les chats doivent être identifiés. D'ailleurs, je le dis à tes auditeurs, Denis, c'est si votre chat ou votre chien n'est pas identifié, soit par une puce d'identification électronique, soit par un tatouage, eh bien, vous êtes censé, vous pouvez avoir une contravention de quatrième classe, c'est-à-dire de 750 euros. Hein. Je veux dire, personne ne le sait. Hein. Personne. Mais c'est la loi. C'était la loi sur le chien il y a déjà longtemps. Et maintenant, c'est vrai également chez le chat depuis le mois de décembre. 750 euros d'amende. Ce fichier qui recense des millions d'animaux, de chiens et de chats qui sont identifiés en France, sachant qu'il y en a encore plein qui ne sont pas identifiés. Ce fichier, ce serait effectivement une bonne idée que le décret dont je parlais, eh ben, dise qu'il est également le fichier des interdits de détenir. Ça pourrait être le cas. Oui, Voilà, ou ça sera un autre fichier. Et évidemment, le vétérinaire, il faudra qu'il puisse avoir accès à ce fichier. Mais ça aussi, c'est également le décret qui l'écrira. Et il faudra être extrêmement attentif, une fois que la loi sera votée, à ce que ces décrets disent très précisément les choses pour que ça ne reste pas des paroles en l'air et que derrière, ça soit inefficace. Donc, il faudra évidemment que le refuge, que l'éleveur professionnel, que l'éleveur amateur, qui aussi, parce qu'il y en a aussi des éleveurs amateurs, que le vétérinaire, que bah, tous ces gens qui sont en contact avec les animaux aient accès à ce fichier national des interdits de détenir, qui pourrait coïncider avec le fichier d'identification des animaux. De toute façon, le député a un double rôle. Le premier, c'est ce qu'on appelle la fabrique de la loi, c'est-à-dire voter des textes comme on a fait. Le deuxième, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, j'imagine que tu vas attendre avec attention la sortie des décrets. On abordera après quelle sera les prochaines échéances avant que le texte de loi soit validé. Mais voilà, j'imagine que toi, quand le décret va devoir sortir, tu vas être vigilant et tu vas de suite regarder ce qui s'y passe et éventuellement demander au gouvernement de faire des modifications du décret pour aller vers là où tu souhaites. Bien sûr, ouais, ça fait partie effectivement complètement du rôle du député. Combien de fois certains d'entre nous ont été tellement déçus de voir un décret qui était éloigné de la loi qu'ils avaient portée à l'Assemblée nationale. Il ouais, faut être très vigilant à ça, et bien sûr, je le serai. D'accord. Je continue dans la série des questions. Est-il possible de mettre en place des bureaux contre la maltraitance animale pour accompagner ou dénoncer les citoyens dans les mêmes structures concernant les protections de l'enfance, à savoir les PMI? Oui, c'est une très bonne et très belle idée qui a souvent été émise, proposée. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, de façon générale, on manque de personnel et que jamais, ça, je peux vous le dire, mais je pense que Denis vous répondra la même chose, jamais l'État n'embauchera de fonctionnaires ou ne créera de postes pour créer ce type de bureau. Par contre, il y a un truc intermédiaire que j'aimerais bien, mais il faudrait vraiment en faire une étude approfondie, c'est la question d'un numéro de téléphone de maltraitance. Voilà, tel qu'il existe pour l'enfance, tel qu'il existe pour les femmes battues, etc. Je pense que ça serait une belle idée de créer un numéro de téléphone qui permettrait à quelqu'un qui assiste à un acte de maltraitance ou qui a vu quelque chose d'odieux sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui puisse le dire rapidement. Mais là, c'est pareil. Ça veut dire que derrière, il y a beaucoup de gens pour répondre, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de coups de téléphone. Et il y a beaucoup de gens pour répondre, et ça a un coût qui aujourd'hui n'a pas été prévu dans le projet de loi de finances. C'est par contre une question vraiment à étudier. D'ailleurs, on a sensiblement la même question de Vitality Make, qui est la petite question d'un non-initié. Existe-t-il hors police des organismes de contrôle face à la maltraitance animale? Là-dessus, donc, il y a bien sûr les différentes forces de l'ordre. Il y a aussi les vétérinaires, justement par rapport à ce projet de loi qu'on vote. Moi, je ne vois pas d'autres organismes. Enfin, toi qui es Alors, spécialiste. il existe
avec des niveaux d'implication extrêmement variables d'un département à un autre, ce qu'on appelle les DDPP, anciennement Direction des services vétérinaires, la Direction départementale de protection des populations. C'est dans cette DDPP que sont notamment travaillées les questions d'animaux, de santé animale, de bien-être animal, de protection animale. Et en fonction, en fait, il faut le dire très clairement, en fonction du niveau d'implication d'un fonctionnaire ou de plusieurs dans une DDPP, eh ben on aura une plus ou moins bonne protection animale. Mais en tout cas, ces DDPP sont effectivement les relais de l'État. Hein, ce sont des directions départementales, donc sous la responsabilité du préfet, qui ont en charge ces questions. Il y a des DDPP qui sont exemplaires sur ces questions. Je pense en particulier au département du Nord, par exemple, ou de l'Essonne, ou d'autres. Hein. Et puis, il y en a qui ont plus de difficultés à avancer et à prendre des mesures parfois qui devraient être prises très rapidement sur des actes de manifeste de maltraitance animale, mais qui traînent plus que d'autres. Donc là, il y a, je pense, déjà dès le départ, c'était d'ailleurs une des recommandations de mon rapport de mission gouvernementale l'année dernière, il faudrait que le ministre, il dise très clairement au grand patron des DDPP, donc le DG, ça s'appelle le DGAL, peu importe, il leur dise, voilà, vous avez un de vos objectifs sur l'année à venir, c'est d'améliorer la protection animale dans les départements et de former et d'expliquer à vos DDPP qu'il faut absolument qu'ils mettent le paquet là-dessus. J'ai des questions assez techniques après, mais on va finir avec ce sujet-là et après on va aller sur d'autres questions. Mais voilà, faut-il appeler la police si on est témoin de maltraitance animale? Est-ce Bien sûr. qu'aujourd'hui c'est le bon vecteur lorsqu'on voit par exemple un animal qui est battu, un chat ou un chien? Bien sûr, police, gendarme. Ok. Tout à fait. J'ai une question sur la zoophilie, mais on le fera dans un second temps parce que d'ailleurs c'est abordé dans le texte de loi. Mais je voulais remonter. La loi ne parle que d'animaux de compagnie, point d'interrogation. Non, elle parle d'animaux de compagnie et elle parle de faune sauvage détenue en captivité. Hein? En fait, voilà, il y a quatre grandes catégories d'animaux. L'animal de compagnie, tout le monde connaît. L'animal de production, c'est là qui produit du lait, de la viande, de la peau, voilà, des œufs. Et il y a l'animal sauvage. Il est en captivité ou en liberté. En captivité, c'est les parcs zoologiques, les delphinariums, les cirques et les élevages d'animaux pour leur fourrure, pour faire simple. Et en liberté, ben, c'est la chasse, c'est le loup, c'est l'ours, donc ces espèces sauvages protégées. Et puis, dernière catégorie, l'animal d'expérimentation. Là, la loi, elle s'est concentrée sur l'animal de compagnie et la faune sauvage en captivité. D'accord. Une question un peu, enfin, qui aborde le sujet de la zoophilie. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ce sujet est vraiment présent aussi dans cette PPL. On aborde le sujet. Donc, je vais un peu modifier la question parce qu'il est que 20h04 et donc je vais. C'est un mot que je vais dire, voilà, mais. Donc la Panini 72, peut-être de Sartre, me demande si on lutte contre toutes les formes de zoophilie et existe-t-il une étude qui démontre que la zoophilie cause du tort aux animaux? Ouais, ça c'est un grand débat. On a reçu énormément de messages, de mails d'une association qui fait la promotion de la zoophilie. Et qui, oui, voilà, en tout cas qui dénonce le fait que la zoophilie puisse être une maltraitance. Ça craint ça. Enfin, désolé, je réagis comme ça à chaud, mais enfin, je pensais pas qu'il y avait ce type d'association qui existait en France. Ben moi non plus. Et franchement, voilà, ça aurait pu mériter qu'on s'y attarde un peu pour regarder en détail les choses. C'est une association, voilà, peu importe son nom, elle a été extrêmement insistante et c'était exactement le sujet, la question qui a été posée par Panini 72. C'est comment est-ce que vous pouvez vous assurer et être certain que la zoophilie est un acte de maltraitance? Moi, je vais mettre ça de côté. Je vais vous dire que voilà, je ne suis pas convaincu que ce ne soit pas un acte de maltraitance. Je ne suis pas convaincu non plus que ça en soit un. Mais à la limite, ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la zoophilie, la zoopornographie sont accessibles en deux clics et qu'il y a pratiquement 1,5 million de visites par mois sur les sites zoophiles et zoopornographiques.
et que ça ne me paraît pas être quelque chose, un spectacle extrêmement enrichissant pour quiconque, ni pour ceux qui la pratiquent parfois, parce que je ne suis pas sûr qu'ils ne la pratiquent pas de façon forcée et en étant rémunérés. Et voilà. Et donc, je pense que c'est une bonne chose que de pouvoir lutter contre cette pratique. Est-ce que l'intitulé de la loi contre la maltraitance animale est au regard de la zoophilie quelque chose qui est, qui est, c'est-à-dire qu'on peut rattacher de la maltraitance? Je peux pas vous l'affirmer. Je n'ai pas d'études scientifiques parce que je suis scientifique et donc je vous réponds avec l'absence d'études scientifiques sur la question. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la zoopornographie, elle pose de nombreuses questions et qu'aujourd'hui, il y a vraiment matière à cadrer, voire interdire sérieusement les choses, à la punir. Ça, Mais j'en ce suis sont absolument convaincu, sans réserve. dans l'article 11 de la PPL, c'est foncièrement interdit. Aujourd'hui, la zoopornographie est interdite en France. On est bien d'accord là-dessus, que les gens Oui, se trompent on est pas. d'accord là-dessus, sauf que, en fait, elle est interdite, mais elle est pratiquée. Elle est pratiquée et qu'on peut y avoir accès sur des sites internet complètement normaux et ouverts, encore une fois, en deux clics. Mais dans le Et cas du. sans qu'on vous demande même votre âge, si tant est qu'il soit question de vous demander votre âge, si tant est que ce soit un critère, on ne demande même pas l'âge. Mais dans le texte de loi, je crois que, enfin, là, c'est toi le plus grand spécialiste, mais moi, ce que je retiens, c'est que regarder ce type de vidéo, de photo est interdit. Et entre guillemets, la seule micro-autorisation qu'il y a, c'est quelqu'un qui tombe par hasard sur une vidéo zoopornographique. En gros, il faut que de suite qu'il ferme, et là, éventuellement, on le poursuit pas. Mais sinon, toutes les autres personnes, c'est hors la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit. Tout à fait, tout à fait. Sauf que, voilà, la loi n'est pas encore passée, donc je vous invite à voir la simplicité avec laquelle vous pouvez avoir accès à ces images. C'est déconcertant. On va aborder un autre sujet. C'est vrai que je ne suis pas trop à l'aise personnellement sur ce genre de sujet, je m'en excuse. Ça me donne Moi non plus. un peu mal au cœur, en vrai, rien que d'y penser. Comment va se traduire l'application de cette loi auprès des élus locaux? Vous travaillez avec des associations qui se feront le relais, point d'interrogation? Oui, les élus locaux, on compte vraiment sur eux, sur cette loi, pour mettre en œuvre un certain nombre des mesures, encore une fois, sous réserve du passage de la loi au Sénat. Mais évidemment, les relais locaux, c'est qui? Ça va être l'élu local, ça va être le maire, évidemment pas tout seul, l'association de protection animale, et il y en a dans de très nombreuses villes, ou au moins dans des intercommunalités. On a ouvert la possibilité de la question de la stérilisation des chats errants à l'intercommunalité, et pas uniquement à la commune toute seule, pas au maire tout seul, mais à l'interco, plusieurs communes. Le maire, l'intercommunalité, l'association de protection animale, il y en a forcément une qui existe, ou un refuge, ou une fourrière. Les vétérinaires, qui doivent prendre leur part, parce que les vétérinaires, il faut qu'ils pratiquent, ils le font déjà, des tarifs privilégiés pour ces chats errants. Ils pratiquent d'ailleurs, ils vont aller de plus en plus là-dessus. C'était une de mes recommandations du rapport de mission, c'est qu'il faut qu'ils fassent une médecine vétérinaire solidaire également, les vétérinaires, et qu'ils puissent permettre d'offrir des soins aux personnes les plus démunies, et notamment qu'ils puissent permettre d'offrir des soins à ces associations de protection animale qui font un boulot incroyable avec des bénévoles. Il faut aussi que eux, ils adaptent leurs tarifs. Ils le font, hein. Ils le font déjà. Et d'ailleurs, on estime qu'ils le font de façon assez massive, sans forcément qu'ils le disent. Donc, les vétos, Association de protection animale, et l'État. Il faut absolument que l'État prenne sa part et accompagne les élus locaux pour mettre en place ces politiques de protection animale au niveau des communes et des intercommunalités. Bon, pour information, les intercommunalités, ce sont des communes qui sont regroupées ensemble pour partager certains coûts, comme par exemple la gestion des animaux. Autre question qui m'est posée par Vitality Miric, typiquement, les vaches hublots sont-elles perçues comme des animaux maltraités? Alors déjà, peut-être, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est des vaches hublots pour expliquer donc pourquoi elles sont hublots? Bon, c'est pour justement de la recherche, mais voilà, explique peut-être à ceux qui maîtrisent moins le sujet et après, réponse à la question.
Ouais, c'est une image, c'est une image qui est absolument terrible. Enfin, objectivement, on a de quoi il s'agit? C'est une vache qui, dans laquelle on a, au niveau de son flanc, fait un trou avec pour donner un accès direct par la main et par le bras au rumen, qui est un des gros intestins de la vache. Et pour pouvoir étudier en fait la digestibilité, la façon avec laquelle la vache va digérer un aliment pour savoir si l'aliment est de bonne qualité, s'il est bien digéré, s'il apporte la bonne énergie, et ben, plutôt que de s'embêter à aller récupérer la bouse de la vache et faire des analyses sur la bouse de la vache, on va directement mettre le bras dans le rumen de la vache. C'est une scène que je trouve, c'est Frankenstein, c'est la vache Frankenstein, c'est une scène horrible. Est-ce qu'elle souffre? Non. Elle souffre pas, et comment est-ce qu'on le sait? Ben on le sait, on le voit à son comportement. Son comportement qui indique que, ben par exemple, elle rumine. Et on sait très bien qu'une vache qui ne rumine plus est une vache qui va mal, qui est malade. Une vache qui rumine est une vache qui va bien. Or, la vache à hublot, on estime qu'il y en a une quarantaine en France dans des centres de recherche et d'expérimentation. Ben la vache à hublot, elle rumine. Voilà ce que je peux dire. Comment dire, on est avec ce type de spectacle, avec ce type de pratique, au fond en face d'un animal qui est devenu une unité de production, en face d'un animal qui est devenu une usine. Une usine à produire du lait, à produire de la viande, à produire des poils et de la peau. C'est une vision extrêmement utilitariste d'animal-machine, hein, comme l'imaginait Descartes, hein, il y a longtemps, et sur laquelle on a le droit de s'interroger. Voilà. En tout cas, moi, je m'interroge. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Autre question, et en Europe, il y aura des accords après la loi pour harmoniser les règlements, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on met en place est déjà présent en Europe, ou est-ce qu'éventuellement l'Europe va plus loin et il faudra s'adapter là-dessus? Qu'en est-il entre la législation française d'une part et la législation européenne d'autre part? Il y a des discordances entre, enfin, il y a des directives européennes. Donc une directive, ça donne une direction. Après, le pays n'est pas obligé. Après, il y a des règlements. Là, le pays est obligé. En matière de protection animale, il y a assez peu de règlements. Il y en a un qui est emblématique, qui est celui qui concerne l'interdiction d'expérimentation en vue de mettre sur le marché des produits cosmétiques. En dehors de celui-là, il y a des règlements européens, il y a des directives européennes sur le transport des animaux intra-européens. Vous savez, avec ces animaux qui sont parfois mis dans les camions, qui roulent pendant des heures et des heures, qui ne sont pas abreuvés, qui sont entassés les uns sur les autres, qui sont foutus sur des parkings, toujours dans le camion, sous la canicule, en plein été. Enfin, voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a au niveau européen une prise en compte de ces questions-là. D'ailleurs, en ce moment, un travail qui est fait sur la question du trafic d'animaux intra-européens. Mais ensuite, il y a beaucoup de liberté qui est accordée à chacun des pays. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est que l'Europe aille toujours plus loin sur ces questions et impose, je pense, le plus largement aux pays européens des règlements sur ces questions-là. Je pense que l'Europe ne le fera pas. Donc chacun des pays saisit, comme la France. Et vous voyez, par exemple, typiquement sur l'animalerie, il n'y a que deux pays en Europe qui l'interdisent, la Belgique et l'Angleterre. Je ne pense pas que la. Enfin, peut-être que la loi en France va venir, se rajoutant à la Belgique et à l'Angleterre, va déclencher des idées dans d'autres pays, parce qu'il y a quand même une prise en compte européenne de plus en plus forte de la question animale. Mais une adéquation parfaite entre des règlements, des lois françaises qui deviendraient imposées à tous les pays européens par l'Europe, je n'y crois absolument pas. C'est pas le cas en tout cas. Mais d'ailleurs, on voit sur de nombreux sujets sociétaux que certains pays en Europe s'en avancent par rapport à d'autres, mais globalement, les pays se suivent. Et tu as parlé de la Belgique, de l'Angleterre, la France va le faire. Il serait pas. Enfin, je suis prêt à parier 2 euros avec toi que tôt ou tard, d'autres pays vont suivre et que quelque part, c'est une dynamique. On est très proche de nos voisins allemands, italiens, espagnols et on voit que les attentes sociétales dans ces différents pays sont sensiblement les mêmes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit par exemple sur la question des cirques, hein. Tu vois, les cirques avec animaux sauvages, qui font partie des d'autres chapitres de la loi, ont déjà été interdits au Portugal, en Italie. Le renforcement des sanctions pénales en cas de maltraitance, c'est une loi qui a été votée fin de l'année dernière en Grèce.
Voilà, donc il y a vraiment une dynamique européenne, mais qui n'est pas encadrée par des règlements ou des directives européennes qui sont rigides. Et qui, voilà, mais par contre, tous les pays s'y mettent. La Suisse, par exemple, aussi, qui n'est pas un pays européen au sens strict, est un pays qui est très en avance sur ces questions-là. C'est vrai que d'ailleurs, tu parles, toi, des animaux en cirque qui sont interdits. Je crois de mémoire que c'est l'article 12 de ce texte de loi, c'est-à-dire que les cirques ne pourront plus avoir des animaux sauvages, donc dont les cirques itinérants, et aussi la fin des delphinariums et des orques captives. Et en fait, là-dessus, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est bien, et en même temps. J'ai un peu, comment dire, la réflexion me fait dire que, enfin, tu connais très bien les Alpes-Maritimes, on a un très beau parc qui s'appelle Marineland, auquel j'ai amené mes enfants qui ont passé un super moment. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est un moment de loisir, et en même temps, on se rend compte que c'est un endroit où les animaux sont quand même, je parle dans Marineland, à Marineland, bien occupés, mais ils sont pas dans un endroit libre. Donc, moi, j'ai un peu cette dualité en disant c'est un super moment passé en famille, mais c'est vrai que les animaux, peut-être que si c'est dans la nature, ils seraient potentiellement plus heureux. Donc, j'ai du mal, moi, personnellement, à me positionner. Quelle est ta vision, toi, là-dessus? Bah, tu vois, les enfants de plus en plus aujourd'hui, l'attention portée à la condition de vie des animaux est un sujet qui est porté au sein de la société essentiellement par deux grandes catégories de population, qui sont les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes sont extrêmement sensibles à ces questions-là. Et moi, j'ai souvent eu, de la part de copains, d'amis, qui savent que je travaille sur ces questions, qui m'ont dit, c'est incroyable, j'ai proposé à mon fils d'aller au cirque, à ma fille d'aller au cirque, elle a refusé en me disant que c'était hors de question, qu'elle ne voulait pas voir un éléphant machin ou un ours faire du vélo. J'ai eu un sénateur qui m'a dit un jour, qui a plus de 60 ans, qui a un jeune fils de 8 ans, même chose, il voulait l'amener au cirque, le gamin a refusé. En disant, voilà. Donc il y a une prise de conscience progressive et qui vient beaucoup de la jeunesse, qui forme un petit peu les parents sur ces questions-là. Et le regard qu'on a, par exemple, sur le Marineland, que tu évoquais, qu'on connaît bien, parce que tu viens des Alpes-Maritimes, moi j'y habite, a complètement changé. Et ça se traduit d'ailleurs comment? Ça se traduit par un chiffre qui est le chiffre de la fréquentation. En 15 ans, le Marineland a vu sa fréquentation baisser de 40 ou 50%. 40 ou 50%. Il y avait 1 300 000, 400 000 visiteurs par an, il y en a à peu près 800 000 aujourd'hui. C'est voilà. Et parce que de plus en plus, les films, les reportages, les prises de position, les tribunes, tout ça, les messages sur les réseaux sociaux, tout ça fait qu'on se dit, mais attends, un orque, comment ça vit un orque? Ça plonge à quel 200 mètres? Ah d'accord. Et ça pratique, c'est quoi les distances qu'il parcourt tous les jours dans la mer, en liberté? 200 km. Ok. Est-ce qu'on est capable dans un bassin en béton de reproduire un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, les conditions de vie d'animal en dehors du fait qu'il est dans l'eau. Et encore, il est dans de l'eau chlorée. Non, on peut pas. C'est impossible. On peut pas. On peut reproduire un petit peu le milieu de vie naturel, tu vois, dans un parc zoologique. Si je parle pas de tous les parcs zoologiques, mais un certain nombre de parcs zoologiques qui font un très bon travail, sont capables de faire ce travail de pédagogie, de conservation de certaines espèces menacées, voire de réintroduction même dans la nature. Dans des enclos qui sont des enclos de grande taille, dont le milieu est enrichi avec des éléments qu'ils vont retrouver de façon naturelle dans la nature. Là, tu vois, on se rapproche un petit peu du milieu de vie de l'animal dans le milieu naturel. Dans un Marineland, dans un delphinarium, c'est impossible. C'est impossible au regard de la biologie de ces espèces et de la taille de l'enclos. Tu veux, pour un orque, le bassin de Marineland ou d'un autre delphinarium, c'est une baignoire. C'est une flaque d'eau. C'est un truc dans lequel ils tournent en rond. J'ai une Et tu les question vois à ces justement. comportements. Voilà, donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a pensé qu'il fallait mettre fin à ces activités. Et donc, on a décidé d'arrêter la présence des orques dans les delphinariums d'ici 2 ans et des dauphins d'ici 7 ans. Ça leur laisse le temps quand même de se réorganiser, de retrouver pour le personnel du travail, bien sûr, et puis de pouvoir de réimaginer le site pour faire autre chose, une autre activité. J'ai une question de VPRQT là-dessus. Quelle suite pour les animaux de Marineland et donc les autres delphinariums?
Ben, est-ce qu'ils vont être remis à la mer parce qu'ils sont peut-être plus habitués? Comment ça se passait? Alors, remise à la mer, tu prends le dauphin ou tu prends l'orque, tu le transportes dans un camion avec de l'eau et tu le mets dans la mer. Je donne pas cher de sa vie et en très très peu de temps, il va mourir. Il va mourir parce qu'il ne s'est plus chassé. Il va mourir parce qu'il est plus faible que ses congénères, parce qu'il n'a pas effectivement ce tonus et cette vie que pouvaient avoir ses congénères en liberté. Il va être embêté par des animaux qui vont être beaucoup plus petits que lui et il va devenir une proie. Donc, très mauvaise idée. Par contre, on peut imaginer, s'il faut vraiment qu'on travaille dessus, c'est un sujet passionnant, la création de sanctuaires. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est un endroit qui est sanctuarisé en mer. Petite crique, petite baie, avec des filets qui vont le protéger, dans lequel on va remettre l'animal pour lui faire retrouver une vie naturelle, lui faire retrouver des comportements naturels, parce qu'il va les retrouver très rapidement. C'est ça qui est extraordinaire, cette résilience en fait de l'animal, sa capacité à retrouver un comportement naturel, voire sauvage, assez vite. Mais pour ça, assez vite, ça réclame quand même du temps, et ça peut se faire dans ces sanctuaires. Il y a des projets de sanctuaires au niveau européen. Il faut que nous, au niveau français, en tout cas moi, je vais me battre pour ça. On soit capable de mettre l'argent sur la table avec des partenariats privés, pourquoi pas, pour mettre ces 20 et quelques dauphins et ces 4 orques de nouveau dans une eau de mer dans laquelle ils pourraient retrouver ce qui était leur vie préalable, ou pas préalable d'ailleurs, parce qu'en fait, ces dauphins, ils sont tous nés en captivité. D'accord. Donc, ils n'ont jamais connu la mer. Autre question. Vous avez parlé des différents des différents types d'environnement dont les animaux sont concernés. Est-ce que les animaux pour la recherche scientifique en font partie? Dans la proposition de loi? Oui. Non. Dans la proposition de loi, il n'est pas question d'animaux d'expérimentation. Et d'ailleurs, pour être très simple et très clair, cette proposition de loi aborde l'animal de compagnie et l'animal sauvage en captivité. Il n'aborde pas l'animal sauvage en liberté, donc la chasse. Il n'aborde pas l'animal de production, l'élevage. Et il n'aborde pas l'animal d'expérimentation. Et pourquoi? Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, avec clarté et transparence. Parce que quand on aborde les sujets que j'ai évoqués à l'instant, qui ne sont pas dans la proposition de loi, la chasse, l'élevage, l'animal d'expérimentation, on a là souvent des débats qui sont des débats impossibles. On n'arrive pas à en parler sereinement entre députés dans l'hémicycle, les sénateurs n'y arrivent pas plus, et donc on va dans le mur avec des lois qui ne sont jamais votées parce que le temps passe, et puis au bout d'un moment, ben, la loi, il faut la voter, et on n'arrive pas, et on n'arrive pas à avoir de majorité. Voilà. C'est trop tôt. La corrida non plus, on n'en a pas parlé. Voilà. Moi, Mais j'y suis fondamentalement. justement, Voilà. quid de Ouais. la tauromachie? Oui, bien sûr, mais moi, je suis aussi favorable à l'arrêt de la tauromachie. Je voudrais juste une chose importante qu'il faut que les gens sachent, c'est que la tauromachie, elle est interdite en France. Interdite. Parce que c'est un acte de cruauté. Sauf dans 10 départements dans lesquels il y a une tradition locale ininterrompue. Si vous organisez une corrida en Bretagne, vous êtes sous le coup de la loi. Parce que un acte de maltraitance et de cruauté vis-à-vis d'un animal dans un département dans une région dans laquelle il n'y a pas de tradition locale ininterrompue. Vous voyez quand même parfois la complexité, et on va le dire, la stupidité de la loi. La chasse à la glu, elle est interdite en France, sauf dans 5 départements, dont les Alpes-Maritimes de Nîmes. Voilà, donc si vous chassez à la glu de nouveau dans le Nord, toc, vous pouvez être pris par la police. Par contre, dans les Alpes-Maritimes ou dans les Bouches-du-Rhône, vous avez le droit, ou dans le Vaucluse, ou dans le Var, ou dans les Alpes de Haute-Provence. Donc voilà la loi et sa complexité. Je suis d'accord, ces chasses sont des chasses cruelles. La corrida est un acte soi-disant culturel, mais surtout cruel. Et je suis favorable à l'abolition de ces pratiques. Simplement, allez comprendre pourquoi. Quand vous parlez de ça dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, vous avez toute une série de députés dont Denis ne fait pas partie, qui disent touchez pas à la corrida, Alors, touchez pas à la mais chasse, tu vois, moi, touchez pas à ça. Comment? sur la corrida, tu vois, moi, en fait, en vrai, c'est assez terrible ce que je vais dire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis partagé.
Je suis partagé entre, et tu as raison, le fait que c'est un moment qui est violent et l'animal doit certainement souffrir. Et en même temps, ça fait partie de la culture de ces territoires-là. Et je n'ai jamais assisté à une corrida. Je ne sais pas comment ça se passe. Et en fait, normalement, les députés doivent tout savoir sur tout. Moi, là-dessus, je suis bien incapable, à l'heure actuelle, de pouvoir me positionner. Je suis partagé entre la souffrance animale et le fait que c'est un rite qui date depuis de très nombreuses Et années la tradition. et la tradition. Et si demain je devais être voté, si demain je devais voter, je crois que j'aurais beaucoup de mal à prendre une décision entre cet animal qui souffre et la tradition. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais et je pense je que vois ça très sera bien un ce que tu bon veux dire, et débat tu dans vois, l'hémicycle. tu illustres parfaitement la difficulté que l'on a à débattre de ce sujet dans l'hémicycle. L'animal de compagnie, il y a au moins un député sur deux et un sénateur sur deux qui en a un chez lui. Voilà. Tout le monde connaît l'animal de compagnie. C'est un phénomène de société, c'est un phénomène, c'est un animal, c'est un membre de la famille. La corrida, voilà, le débat, on va peut-être pas l'ouvrir ce soir, Denis, mais ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et du coup, on n'arrive pas à en parler. Et du coup, on arrive à des obstacles, à des murs. Maintenant, si ça peut te convaincre, il y a 80% des Français qui y sont opposés. Et objectivement, l'animal, il est dans un état de stress et de souffrance absolument terrible. Et c'est pas pour rien que c'est interdit partout en France. Tu Et comprends? moi, j'aimerais Donc bien en après, débattre. J'aimerais bien en comment? débattre. J'aimerais bien en débattre. J'aimerais bien entendre les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, pour me forger mon opinion. Et je dirais même plus, j'aimerais bien, non pas aller le voir pour le voir, mais le ressentir. Et peut-être que d'ailleurs, me connaissant, j'aurais du mal à le vivre. Et peut-être que ça me fera avoir une vision. Mais aujourd'hui, je ne me juge pas assez compétent pour pouvoir aborder ce sujet-là. Ça me rappelle un autre sujet qui a strictement rien à voir avec la PPL animale, c'était l'histoire sur les néonicotinoïdes concernant les betteraves. Moi, dans le Maine-et-Loire et dans les Alpes-Maritimes, les betteraves, j'en ai jamais vu. En vrai, les betteraves à sucre, c'est pas ce qu'il y a chez nous. Et donc, pour prendre une décision, je suis allé voir les agriculteurs sur le territoire qui produisent ces betteraves-là, et j'ai discuté avec ce qui était contre aussi. Et à la fin, j'ai pris une décision qui était la mienne. Sur la tauromachie, c'est vraiment compliqué. Et en plus, tu as raison de pointer le fait, c'est que on peut pas avoir de débat. Les gens qui sont contre sont foncièrement contre, et de toute façon, c'est comme ça. Et les gens qui sont pour sont foncièrement pour, et surtout, l'un ne discute pas avec l'autre. Et Voilà, pour des gens comme moi qui aimeraient bien pouvoir construire une idée, c'est compliqué d'être entre deux feux. et je pense que typiquement sur la corrida, il est vraiment pas facile de se construire une idée. La mienne est construite, elle est basée sur des arguments qui sont des arguments, j'allais dire, scientifiques et médicaux, qui peuvent s'entendre. Les arguments culturels que tu évoques et de tradition peuvent s'entendre aussi. Moi, je privilégie l'argument voilà, maltraitance animale, voire cruauté. L'aspect médical, l'aspect scientifique. Mais c'est irréconciliable. Et en fait, c'est souvent le problème avec l'animal. L'animal, si tu veux, est une créature vivante qui déchaîne les passions des humains. Et très souvent, on a du mal à avoir, quand on parle de l'animal, une approche sereine, qui prend de l'altitude, équilibré, où on fait la part des choses. On est tout le temps d'un côté ou de l'autre. On bascule d'un côté ou de l'autre. Donc, ce que tu viens de dire, c'est exactement comme ça que ça se passe sur tous les sujets, en particulier sur la corrida, c'est vrai, et sur d'autres sujets comme la chasse, ou sur d'autres sujets comme l'élevage intensif, où on a, si tu veux, les tenants de l'élevage et les tenants du bien-être animal. Ils sont irréconciliables. Maintenant, voilà, il y a des pays qui ont pris des décisions sur la corrida, le Portugal. La Catalogne. Bon, la Catalogne, elle aime bien embêter l'Espagne. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont interdit la corrida. Mais en tout cas, il y a des pays qui prennent le pas, qui prennent des décisions comme celle-là, qui sont des décisions extrêmement courageuses. Ce qui est certain, c'est que nous, si dans la proposition là dont on parle aujourd'hui en tous ensemble, on avait mis la corrida ou on avait mis la chasse, c'était mort. C'était même pas la peine. On se serait heurté à des problèmes extrêmement, à des problèmes de débat, d'engueulade, machin, et à la fin, on n'aurait rien voté du tout. Donc moi, j'ai toujours dit, je préfère avancer sur les sujets sur lesquels on peut avancer, avec des actes majeurs, hein, comme ces renforcements de sanctions pénales, il y a eu quand même plein de choses, l'arrêt de faune sauvage en captivité, enfin, il y a quand même plein de choses qui ont avancé. Moi, je préfère avancer concrètement sur des sujets qui sont peut-être plus restreints que vouloir tout mettre dans la loi
pour qu'à la fin, il n'y a rien. Voilà. Ça s'est passé récemment, hein, d'ailleurs, Denis, tu t'en rappelles, hein, au mois d'octobre, je crois, dernier, il y a un député qui a tenté de mettre tout dans la loi. Zéro, rien. Il est arrivé minuit et on leur a dit, Monsieur le député, vous êtes très aimable, mais maintenant c'est fini, on arrête de parler. Voilà. Et donc notre proposition de loi, ben, on est désolé, mais elle ne passe pas. Voilà. Là, au moins, tu vois, eh ben, elle est passée, même si elle n'englobe pas, si elle n'embrasse pas tous les sujets. Mais tous ces sujets dont on parle, Denis, j'en suis sûr, la corrida, les chasses cruelles, je ne parle pas de la chasse traditionnelle à tir, tu vois, mais les chasses cruelles comme la chasse à courre, comme la chasse à la glu, à la tendelle, à la matole, à la vénerie souterraine. Toutes ces chasses cruelles, elles vont revenir en débat dans l'hémicycle. La question, c'est quand? C'est juste, c'est la seule question. Quand? Quand les parlementaires seront prêts à en débattre de façon calme? Quand il y aura eu, voilà, le temps, quand le temps aura passé. Mais Moi, on en redébattra, c'est certain. sur la corrida, en fait, pour revenir en fait en arrière sur les delphinariums, tu l'as dit, la société a évolué et les jeunes aujourd'hui ne souhaitaient plus de delphinarium, et ce qui certainement a permis d'avancer sur cette thématique-là. Il n'est pas exempt que justement sur la corrida, dans les années à venir, les concitoyens, qui sont, comme tu l'as dit, déjà à 80% pour la fin de la corrida, augmentent en termes de nombre. Moi, je n'en sais rien, mais c'est possible que ce soit nos concitoyens qui poussent. Et d'ailleurs, je vois une remarque de Ro sur le chat qui dit, voilà, personnellement, j'ai vu deux corridas et le lâcher de taureaux dans les villages en Espagne. C'est très culturel et traditionnel. À mon sens, la culture doit évoluer avec le temps. Et c'est vrai qu'on pourrait... Certes, c'est très complexe, voire absurde selon les régions géographiques. Ça donne l'impression qu'il y a un laissez-passer. Vraisemblablement, on pourrait penser que les corridas en tant que telles puissent, à un moment donné, être amenées à disparaître, mais que par contre, les lâchers de taureaux dans les rues puissent, eux, continuer parce qu'il y a peut-être moins de violence animale et que ça soit peut-être plus accepté par les nouvelles générations. Complètement. Et puis, il pourrait y avoir aussi, mais c'est pareil, ça réclamerait une évolution dans les mentalités de ceux qui sont des fanats de la corrida. C'est des corridas sans mise à mort. C'est aussi un sujet, une idée qui a été évoquée. Et puis, il y a aussi des gens qui poussent pour dire qu'il faudrait interdire la corrida, parce que c'est un spectacle très violent et qui a des. Qui n'a pour certains aucune vertu pédagogique, je suis assez d'accord avec ça. Sinon que l'homme domine l'animal, ça on est bien d'accord, et il le prouve tous les jours, et grand bien lui fasse, mais je veux dire, je pense qu'on sait, il est clair que l'être humain est au sommet de l'évolution, et que précisément c'est parce qu'il est au sommet de l'évolution qu'il devrait arrêter de maltraiter l'animal. Mais c'est un autre sujet. Enfin, non, d'ailleurs, c'est le même sujet. Mais voilà, donc. Il y a des députés qui disent qu'il faudrait l'interdire au moins de 14 ans. Parce que c'est un spectacle qui est un spectacle violent, qui n'a pas de vertu pédagogique, et qui est ouvert à tous, au moindre gamin. Est-ce que c'est un spectacle pour un gamin de voir un taureau se faire mettre à mort, se faire piquer, saigner, s'effondrer? La question se pose. Ah, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet. Et j'aimerais justement qu'on ait ce débat dans l'hémicycle de façon dépassionnée et beaucoup plus. Que chacun puisse amener ses arguments sans juger l'autre finalement. Je crois que c'est ça qui est le problème, c'est le fait de penser que par défaut on tient la bonne vision et que l'autre est dans l'erreur complète. Une question un peu punchy de Panini72, justement, une seconde question de sa part. L'impression que donne cette PPL, c'est de ne pas pouvoir s'en prendre qu'aux minorités non organisées, sans lobby pour se protéger. Donc trois delphinariums, quelques cirques itinérants, trois élevages de visons, les vendeurs de chiots sur le bon coin. Donc en gros, ce qu'il veut pointer, c'est que dès qu'il y a potentiellement des syndicats, c'est plus compliqué. Moi, je vais donner ma vision. En tant que député, on est toujours mis sous pression par quelque lobby que ce soit. Quelque lobby que ce soit, et tout concitoyen est un lobby. Mais ce que je peux dire, c'est que dès qu'on parle d'animaux, le nombre de mails que je reçois est multiplié par 10, 50 ou 100. Je crois que c'est un des sujets, si ce n'est le sujet avec l'écologie, oui, ça, écologie et animaux. Qui est vraiment qui met le plus sous tension nos concitoyens. Et là, enfin, je reçois vraiment, je viens de deux types de mails.
Ceux qui me disent vraiment, vous êtes, vous comprenez rien, il faut rien toucher, il faut continuer comme on est. Et ceux qui disent surtout, il faut mettre tout le monde en prison, il faut arrêter toutes les chasses, tout ça. Et on n'a jamais d'équilibre. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Enfin, voilà, je sais pas trop ce que tu en penses. Bah, toujours pareil, le passion, deux blocs qui s'affrontent, les bouchers, les véganes, les amoureux des animaux et ceux veulent, qui les exploitent, ceux qui considèrent que l'animal est une personne, ceux qui considèrent que l'animal est une chose dont on peut faire ce qu'on veut. C'est toujours comme ça, à un moment, que se résume malheureusement. La question de la condition animale. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé, et avec des gens comme toi et d'autres députés, de dire, est-ce qu'on peut réussir à trouver des consensus, des équilibres? Est-ce que vous, les grands lobbies, les grandes associations, quelles qu'elles soient, vous êtes d'accord pour considérer que on a des grandes marges de progrès à faire pour améliorer le sort des animaux dans notre pays? Et de quelle façon est-ce qu'on pourrait le faire? Et de quelle façon est-ce qu'on pourrait le faire ensemble, si vous êtes d'accord? Parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde. Ah oui, vous avez raison. Oui, effectivement, au moment où ils naissent, au moment où elle les élève, au moment, si on parle d'animal de production, au moment où on les transporte, au moment où on les tue, on les abat, on peut, à tous ces stades-là, améliorer le bien-être de l'animal. Et c'est vrai pour l'animal de compagnie, et c'est vrai pour l'animal d'expérimentation, et c'est vrai pour l'animal sauvage en captivité, et c'est vrai pour l'animal sauvage en liberté, c'est vrai pour tous les animaux. Et la question que moi, la façon avec laquelle je prends ce sujet, c'est de dire, est-ce que sur des bases scientifiques, factuelles, non, en essayant d'évacuer les opinions, on est capable de se dire qu'on peut progresser là-dessus? Oui, on peut, à chaque fois. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors certains vont dire ça va pas assez vite, et d'autres vont dire ça va trop vite. Hein, ceux qui trouvent que l'animal est une personne et ceux qui trouvent que l'animal est une chose. Mais globalement, on arrive à se retrouver. Si on n'est pas dans la radicalité, si on n'est pas dans l'extrémisme et qu'on remet le sujet un petit peu comme ça avec un petit peu de hauteur, on arrive à trouver des consensus et à avancer. Et là, les lobbies, ils peuvent pas dire le contraire, quels qu'ils soient. Ils peuvent que dire, bon, ok, ça va pas assez vite, ça va trop vite, mais d'accord. C'est vrai que Et ce moi, que je voudrais dire. j'ai été choqué par certaines, alors je pense que c'est pas du tout une majorité, c'est une petite minorité, mais certaines actions dures des véganes. Personnellement, je suis de ceux qui considèrent que chacun est libre de faire ce qu'il veut, et que si une personne ne souhaite pas manger de viande, libre à elle de ne pas le faire, ça ne me pose Évidemment. aucun problème. Mais ce qui m'a choqué, c'est le fait que des véganes puissent attaquer. Je crois que c'est le mot, attaquer des boucheries de façon assez agressive. Et je trouve qu'à un moment donné, on ne peut pas avancer dans un pays où des personnes sont autant posées sur leur vision et veulent l'imposer aux autres. Je crois qu'à un moment donné, chacun est libre d'avoir ses idées, sous réserve de quelques idées, parce qu'il y a quand même des idées que je ne vais pas accepter, mais chacun est libre d'avoir ses idées sans vouloir pour autant l'imposer aux autres. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir dire « Moi, j'ai la science infuse, c'est comme ça qu'on doit faire, et tout le monde doit faire comme je le pense. » D'ailleurs, quand on est comme ça, on n'est plus en démocratie. Entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours condamné fermement toute forme de violence, en particulier quand elle concerne les animaux. Parce qu'en plus, tu sais, le pire, Denis, c'est que ces gens qui pensent faire le bien et œuvrer à l'amélioration de la condition animale, ils font tout le contraire. Parce que en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils crispent terriblement les uns et les autres, et en particulier ceux qui font la loi, en l'occurrence les députés. Voilà. Et alors que nous, on essaie de trouver justement des équilibres, des choses pour avancer concrètement, peut-être pas assez vite, mais pour avancer, pour améliorer le sort des animaux, eux, si tu veux, dans leur radicalité, et ben, finalement, ils effraient. Ils effraient. Je vais te dire un truc, pour parler trivialement, c'est pas le boucher qu'il faut aller voir. S'il y a des gens qu'il faut aller voir et vers lesquels, auxquels il faut se plaindre, c'est les politiques. Parce que c'est les politiques qui ont, année après année, législature après législature, président après président, dit par exemple aux éleveurs, produisez plus, produisez moins cher, produisez plus vite, mettez plus d'animaux au mètre carré dans votre élevage, on va vous aider pour faire ça. C'est les politiques qui ont fait ça, pour nourrir les Français et pour ensuite exporter notre agriculture. Donc ce n'est pas les bouchers qui sont responsables, c'est trop facile. C'est les politiques qui sont responsables. C'est nous qu'il faut venir voir. Et c'est nous qui devons aussi maintenant entendre ça
et voir eh bien, de quelle façon est-ce qu'on peut aller vers une agriculture plus écologique, beaucoup plus écologique, vers cette agroécologie. Comment est-ce qu'on peut aller vers un élevage qui est un élevage de meilleure qualité, un élevage plus traditionnel, où l'animal est plus respecté, où probablement à la fin l'alimentation est meilleure, et comment est-ce que le plus grand monde peut avoir accès à cette alimentation? Tu vois, c'est vraiment les politiques qu'il faut venir, auxquelles il faut venir casser la vitrine, si je puis dire. Sachant que, ben, c'est pas ce que je voulais dire, parce qu'évidemment, la violence, elle était à prohiber de toute façon, mais sans la moindre hésitation. Et je dénonce absolument ces actes-là. Mais toi, tu parles des politiques, et bien entendu, le politique a ses responsabilités, mais moi, je m'interroge, je donne ma vision, et comme ça permettra de réagir. Je crois que le politique est le reflet de nos concitoyens, et que le politique met en œuvre ce que le concitoyen souhaite. Et je crois que la première des responsabilités, c'est nos concitoyens par leur acte d'achat. Si demain, l'ensemble des Français, des 67 millions de Français, disaient, voilà, moi je veux que ce type de viande-là ou que ce type de produit-là, ça obligerait l'ensemble des agriculteurs à s'adapter et à répondre à la demande. Mais je crois que d'un côté, il y a ceux qui aimeraient manger bio et qui, lorsqu'ils vont faire les courses, vont acheter du pas cher. On peut aussi comprendre qu'ils achètent du pas cher, mais lorsqu'on regarde le coût de l'alimentation, à la sortie de la guerre, on était à peu près à 50% de nos revenus dans l'alimentation. Aujourd'hui, on est plutôt à 18%, donc on voit qu'on a une vraie pression sociétale à la baisse du prix d'achat. Et donc, quelque part, quand on achète moins cher, ça oblige les agriculteurs à produire plus pour pouvoir continuer à vivre. Donc, est-ce que c'est pas avant tout, et c'est mon opinion, à nos concitoyens, à nous-mêmes d'ailleurs, à faire l'effort quand on achète, d'acheter peut-être un peu plus cher, tout en s'assurant du process de production? Oui, mais en même temps, on sait que ça coûte beaucoup plus cher le bio. La qualité, elle coûte cher. Et c'est aussi peut-être à nous, politiques, de réfléchir à la façon avec laquelle on peut donner accès par une espèce de. Tu sais, on connaît parfaitement l'impact de la qualité de l'alimentation sur la santé, par exemple. On a une sécurité sociale pour notre santé. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une sécurité pour la santé alimentaire, pour la santé à l'alimentation? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir là-dessus? Le fait que l'État puisse donner accès au plus grand nombre à une alimentation de qualité, dans lesquelles, par exemple, les animaux reçoivent moins d'antibiotiques, moins d'intrants, sont élevés de façon. Voilà. Tu vois, c'est aussi de cette façon-là qu'il faudrait peut-être qu'on raisonne. Et puis, tu disais tout à l'heure que les politiques sont le reflet de ce que pensent les citoyens. Bah alors à ce moment-là, on va abolir la corrida, Denis. Bien amené. Alors, justement, je rebondis sur le chat. Nous sommes dans l'anthropocène. On a déjà utilisé la nature, espérant qu'on puisse changer les mentalités dans le futur. Oui, je crois que la jeunesse, avant tout, c'est elle qui va faire bouger les choses. De toute façon, depuis tout le temps, c'est la jeunesse qui fait bouger les choses. Ouais. Tac, tac, tac. Donc, je me fais l'avocat du diable, mais le bio est juste un label donné à des marques. Le sens du mot bio est mis de côté, enfin, j'ai l'impression. Qu'en penses-tu? C'est assez vrai que le bio est devenu un argument de marketing et que parfois, et que même souvent, il n'y a pas de lien entre la qualité avec laquelle l'animal a été élevé, la façon avec laquelle il a été élevé, l'attention portée à son bien-être et le label. C'est vrai. C'est vrai également pour le label rouge, par exemple, sur lequel il y a en fait très peu de critères, des critères minimaux en matière de bien-être animal. Voilà, c'est vrai, il faut qu'on réussisse à faire la part des choses. Il y a des initiatives extrêmement intéressantes, mais très variées, qui vont dans tous les sens sur ces questions de diminution des apports antibiotiques. Tu sais, quand on entasse les animaux dans des élevages intensifs en hors sol, tu es obligé de leur donner plein d'antibiotiques parce qu'ils se bouffent entre eux, parce qu'ils sont les uns contre les autres et que du coup les maladies se transmettent extrêmement rapidement, parce que plein de choses. Voilà, c'est pas bon. Aujourd'hui, si tu veux, il y a plein de labels qui existent, qui sont parfois des labels de marque. Donc, tu as des étiquettes particulières pour la marque X, des labels particuliers pour la marque du distributeur Y. Et le consommateur, il finit par plus s'y retrouver. Il faudrait qu'on arrive, si tu veux, à une espèce de Nutri-Score, un espèce de Nutri-Score obligatoire, mais qui soit
également, pourquoi pas, qui intègre, pourquoi pas, des critères de bien-être animal, des critères d'attention portée à la condition animale dans l'élevage. Ça pourrait être intéressant. Donc il y a plein d'initiatives comme celle-là, mais elles viennent de partout. Elles sont essentiellement des initiatives privées. Et le consommateur, en vrai, il n'arrive pas à s'y retrouver. Il Et fait à la risque. fin, il pense acheter quelque chose qui est bien pour l'animal ou qui est bien pour la planète. Et puis, ben, en réalité, il se rend compte que, enfin, s'il creuse un peu, il se rendra compte que ce n'est pas vrai. Donc là, on a, nous, un travail à faire, le législateur, un travail très important à faire sur la transparence de l'étiquetage des produits et sur les critères qui viennent apporter ce label X au produit. J'avais suivi justement un label que tu dois peut-être connaître qui s'appelle Bleu Blanc Cœur. Oui. Que enfin moi je trouve extrêmement intéressant et bon je vais pas faire la publicité ne vous inquiétez pas ce n'est pas un placement de produit et je ne toucherai aucun euro en abordant le sujet mais en fait ce que je trouve intéressant dans ce label c'est qu'ils réfléchissent sur l'alimentation de l'animal c'est-à-dire qu'ils disent voilà l'animal pour le faire grandir plus vite on lui donne des aliments qui sont pas forcément ceux qui sont naturellement pour lui et donc on va revenir un peu comme à l'époque des pâturages en faisant vraiment un choix d'alimentation qui répond au mieux à l'organisme et je crois que de nombreux sujets comme ça sont positifs. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Je vois qu'il y a un petit bug là sur ton affiche. Je vais glisser un peu. Autre question. Comment j'oublie? N'y a-t-il pas une responsabilité double, à la fois celle du citoyen et du politique qui le représente et des industries? Donc, on a déjà abordé le sujet industrie-citoyen. Est-ce que tu ne penses pas que les industriels aussi, par leur position, peuvent être des sources de lobby? Si je comprends bien la question de Vitality Myric, et si je la pose mal, n'hésite pas à revenir vers moi. Bah, bien sûr, les industriels. C'est quoi un lobby? C'est la défense d'un intérêt particulier auprès des pouvoirs publics et des décideurs. La profession de journaliste est un lobby. Les vétérinaires, c'est un lobby. Les éleveurs, c'est un lobby. Ils défendent leur intérêt. À un moment donné, quand ils ont l'impression que leur intérêt est en cause, est en jeu, bah, ils défendent leur intérêt. C'est normal de défendre cet intérêt. Après, la question, c'est de savoir si il existe d'ailleurs un lobbying qui est un lobbying éthique. Tu vois, par exemple, je sais pas, une grande ONG, peu importe son nom, qui défend des espèces sauvages menacées et la planète, mène des actions de lobbying vis-à-vis des députés pour, par exemple, eh ben, venir les inciter à modifier une loi ou à déposer une loi. Tu sais bien, Denis, c'est voilà. Donc, le lobbying, c'est pas forcément quelque chose de vilain, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Après, que les industriels, catégorie par catégorie, défendent leurs intérêts, bien sûr, qui se regroupent sous forme de fédérations ou de syndicats, pratiquement tous le font, qui viennent ensuite au contact des députés ou des sénateurs pour venir, et du gouvernement pour venir les inciter à modifier une loi, à la faire évoluer, bien sûr. Après, c'est à nous, librement, en conscience. Et au regard de ce que l'on sait, de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent de la population, de prendre nos décisions. Moi, je suis soumis tous les jours au lobby. Et parfois, je l'avoue, des choses qui me sont dites par les lobbies, que ce soit un lobbying éthique ou un lobbying professionnel, ce sont des choses qui sont parfois intéressantes, qui objectivement méritent d'y porter attention, parce que parfois, eh ben, on légifère, on fait une loi, et puis on se rend compte que ben, la loi, en fait, là, on avait complètement oublié un truc. Ça arrive. On est des êtres humains avant d'être des députés. Et donc, voilà, cette interaction est importante. Et puis après, ça nous, encore une fois, ça va pas des choses et de décider librement et en conscience de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Donc, dans tous ces aspects, en matière de conditions animales, bien sûr qu'il y a des lobbies de l'agroalimentaire et tout ça, et de la charcuterie. Il y a la fédération des charcutiers traiteurs. Bah eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre du jambon. Et puis, si possible, avec des nitrates, enfin des nitrites. Voilà, parce qu'ils considèrent que c'est très bien pour la santé, que c'est très bien pour le jambon, parce que comme ça, il est plus rose. Il y a eu un débat récemment à l'Assemblée là-dessus. C'est à nous, après, de regarder ça et de voir de quelle façon, quel impact ça peut avoir et quelle sensibilité on a par rapport à ces sujets. Donc, oui, il y a les lobbies. Après, il y a les députés qui sont libres, qui doivent être libres, qui le sont. De décider en leur âme et conscience
de ce qui leur paraît être la bonne décision. Et puis, toi, ben, moi, typiquement, tout à l'heure que tu en parlais, dans ma circonscription, il n'y a pas de betterave. Voilà. Mais pour tout te dire, y en aurait eu, j'aurais voté contre les néonicotinoïdes. Et je te donne un exemple qui t'indique que, voilà, pour moi, c'était la même chose. Dans mon département, il y a de la chasse à la glu. Voilà, il y a des chasseurs qui chassent à la glu. Je suis contre la chasse à la glu. J'ai écrit une tribune dans Nice ce matin pour dire que j'étais contre la chasse à la glu. J'ai écrit des courriers au ministre. J'ai fait des tribunes. J'ai fait des trucs. Voilà, ils savent parfaitement que je suis contre la chasse à la glu. Voilà, parce que intimement, ma conviction profonde, c'est de dire que cette chasse est une chasse qui est une chasse cruelle et qu'il faut y mettre fin. Donc, les lobbies, on y est confronté, oui. Et après, on est libre, parfaitement libre. Et on décide en liberté et en conscience. Et on a tous ensuite des impératifs différents, des convictions différentes, des arguments qui nous frappent plus ou moins en fonction de la façon avec laquelle est fait notre cerveau, la façon avec laquelle on a été éduqué. Et c'est la vie, on est des êtres humains, quoi. Ok, ben, je te remercie Loïc de t'être prêté à cet échange sur Twitch. Moi, je vais encore parler quelques minutes avec les personnes qui sont présentes pour leur expliquer comment va se passer la suite du texte, puisque il y a la navette parlementaire, donc je vais leur expliquer ça. Mais voilà, je te remercie de t'être prêté à ce jeu, avec, comme tu as pu le voir, des questions très précises et parfois qui nous mettent un peu Ouais. sous pression sur le chat. Et je pense que c'est bien justement d'avoir des échanges en direct avec nos concitoyens. Ouais, c'est une super initiative. Et Denis, si par hasard, parce que là, effectivement, il faut que je file, je suis de permanence dans l'hémicycle et j'ai d'autres des obligations. Et si par hasard des questions t'étaient posées alors que je serais parti et que, auxquelles tu ne sais pas répondre, surtout t'hésite pas, tu me les envoies et je te donnerai la réponse par écrit. Tu pourras comme ça répondre à toutes celles et tous ceux qui ont participé ce soir, que je remercie sans malheureusement les avoir vus physiquement. Ça marche. Merci beaucoup, Loïc. Et puis, ben, à tout à l'heure dans l'hémicycle. Parce que justement, moi aussi, je vais bientôt quitter. Parce qu'à 21h, il faut que je retourne dans l'hémicycle. À À bientôt, merci beaucoup bientôt. Denis. Salut. Au revoir. Au revoir. Hop, juste, je ferme la fenêtre de Loïc. Voilà. Donc, moi, je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents. Donc, comment ça va se passer la suite? Là, on a fait la première lecture, c'est-à-dire qu'on a abordé l'ensemble des thématiques que j'ai pu présenter. Il y a d'autres qu'on n'a pas abordées, mais par exemple, c'est la fin des élevages en France pour les visons. Donc, qui est le dernier article. Donc, voilà, y a aussi quelques petits points, voilà, qui sont importants dans cette proposition de loi, mais qui ne sont pas, comment dire, les points majeurs du texte de loi, bien que tous les articles sont indépendants. Donc, maintenant qu'on a fait la première lecture à l'Assemblée nationale, il va y avoir une première lecture au niveau du Sénat. C'est-à-dire que le Sénat va se saisir de ce texte-là. Ils vont faire des modifications, c'est tout à fait leur droit. Et derrière, il va y avoir ce qu'on appelle un échange, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelques députés et quelques sénateurs qui vont se retrouver pour se mettre d'accord. On appelle ça une commission mixte paritaire, une CMP. Soit les sénateurs et les députés qui travaillent sur ce sujet-là arrivent à se mettre d'accord, et auquel cas la loi peut partir directement au niveau du gouvernement pour la réalisation de décrets dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que le décret, c'est l'intégration du texte vraiment de la loi dans des textes vraiment pour l'application. Soit on n'est pas d'accord et ça revient à l'Assemblée nationale pour la seconde lecture. Et donc c'est la seconde lecture qui, elle, entérine le texte. C'est-à-dire que ce sont les députés qui, à la fin, valident le texte, les propositions qu'ils ont poussées. Pourquoi pas de procédure accélérée? Parce qu'on ne peut pas tout faire en procédure accélérée. Et que là, en plus, c'est une proposition de loi et les procédures accélérées sont plutôt pour les PJL, les projets de loi. Proposition de loi, c'est porté par les députés ou par les sénateurs, c'est-à-dire donc par les parlementaires. Je rappelle que les parlementaires, c'est soit un député, soit un sénateur. Alors que le PJL, le projet de loi, c'est une loi qui est proposée par le gouvernement. D'ailleurs, la plupart des lois majeures
des différentes législatures sont plutôt des PJL, des projets de loi. Sur la loi LOPDSI, est-ce que je ferai un live Twitch? J'essaye de faire les live Twitch sur l'actualité. Là, la PPL animale, c'était l'actualité, parce que ça a été voté la semaine dernière. Donc voilà, je vais essayer vraiment de... Je vais vraiment essayer de, comment dire, de le faire sur l'actualité. Donc chaque mardi, de 19h30 à 21h, on abordera des sujets d'actualité. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je serai avec un collègue député de Montpellier. Donc Nicolas déjà Desmoulins, Nicolas Desmoulins, sur tout ce qui est lié au rapport qu'il a rendu sur l'appartement, c'est-à-dire comment on peut protéger les personnes à faible revenu pour qu'ils puissent être logés dans des appartements, dans des maisons qui soient dignes. Donc voilà, lui, il a fait un rapport. La ministre a fait de nombreux sujets. La ministre a vraiment. Ouais, j'ai perdu mes mots, je suis fatigué. La ministre a vraiment aborder des propositions. Voilà, on fera un point sur tout ce qui a été mis en place pour permettre à chacun d'avoir des bâtiments qui ne soient pas insalubres. Voilà, ben je vous remercie à tous. Voilà, donc le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 14 décembre, exactement. Donc ça va aller vite hein, là-dessus, j'ai bon espoir. Maintenant, reste à voir comment se saisissent les sénateurs de ce texte de loi-là et quelles sont les modifications qu'ils vont apporter. La suite, si je puis me permettre, au prochain épisode. Et je tâcherai éventuellement, en fonction de l'avancement, peut-être de revenir vers vous, soit avec Loïc, parce que pour information, Loïc Dombreval, que vous avez pu voir, était vraiment un acteur majeur de ce texte de loi. Quand je dis un acteur majeur, c'est-à-dire qu'il était rapporteur général. Le rapporteur général, c'est vraiment le responsable du texte dans sa globalité. Et derrière, il y a donc des rapporteurs thématiques, puisque le texte est découpé en plusieurs sous-parties, en plusieurs chapitres. Donc pour chaque chapitre, il y a un rapporteur thématique. Et puis après aussi, il y a des responsables de texte. Ce sont des personnes qui sont pas forcément celles qui prennent la parole dans l'hémicycle, mais sont celles qui d'ailleurs font le travail d'échange avec l'ensemble des députés, principalement ceux de la majorité. Chaque groupe politique a ses responsables de texte. Mais éventuellement, si vous souhaitez, un de ces quatre, je pourrais faire une petite présentation rapide de comment fonctionne l'Assemblée nationale. Mais voilà, j'essaierai toujours de toute façon de le faire par rapport à l'actualité. Voilà, enfin, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents pendant 7h30. Et rendez-vous la semaine prochaine donc sur le logement et donc l'ensemble des outils pour que les Françaises et les Français puissent vivre dans des logements de plus en plus de meilleure qualité, donc avec des frais de chauffage plus faibles. Merci à tous et à bientôt!